quelqu'un juste à côté de toi, Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes ici à Zaroko, un centre de prière. Qui symbolise la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes arrivés en avant-hier de Lomé. Et ouais, de Lomé. Où j'ai fait pratiquement une semaine. Et le nous sommes justement allés aider une famille. Amen. Et j'en profite pour dire merci à cette famille. Nous avons très bien reçu d'ailleurs. Et je vous remercie. Vraiment très bien reçu par la grâce de Dieu. Nous avons délivré une famille. Les souffraient de la sorcellerie. Ils sont venus un peu de partout. Les enfants sont venus de la France et de la France. Ils sont venus du Canada. Ils sont venus des États-Unis. Amérique. Et nous avons eu 2-3 soirées pour régler leurs problèmes. Les problèmes à nous avions. Et quand la chaîne télévision a appris que j'étais à Otogo, ils ont commencé à courir après nous. Ils ont voulu forcément qu'on fasse une intervention au niveau de la télévision. Parce que j'ai fait deux passages. Le mois dernier à Lomé, où j'ai lancé les défis au Vodou. Il y a un monsieur, un vaudou, un prêtre vaudou qui voulait m'apporter. Au moment où il est à l'émission, il a eu direct. Puis il est en vrai cadeau. Parce que le vaudou veut dire Amina fétiche. Voilà, dis-moi. Et je vais dire, mais depuis quand le fétichiste a porté quelque chose à l'Afrique? Là, ils vont dire, il y a. Des fois, il y a une religion. Des fois, il y a depuis que j'ai eu mon passage à la télé, l'année dernière, les pasteurs, en fait, un mois de cela, les pasteurs venaient à mon hôtel. Parce que la première fois, ils voyaient un homme de Dieu lancer un défi. J'aurais dit, vous ne maîtrisez pas la Bible. Là, allez, Bible. C'est pas une question de crasso. C'est une question de Jésus avec eux. Jésus, on les féticheurs. On s'est appris, les féticheurs que vous voyez là, Jésus qui les a vaincus. Vous a donné le pouvoir sur eux. On est à tête de moi pour. Nous ne devons pas avoir peur d'eux. Dans la soirée de moi. Amen. Et donc, la chaîne congolaise disait mon passage, afin que eux ne respirent plus. Tout le monde voulait avoir mon contact. Pendant trois soirées, je ne voulais pas intervenir parce que je n'étais pas venu pour ça. Et là, oui, parce que je n'étais pas venu justement pour ça. Je voulais une famille. Il faut dire que là-bas, il y a vraiment la sorcellerie intense. J'ai nommé. Il y a tellement de bonnes choses à donner. Ils sont très gentils. Ils sont vraiment très gentils. Amen. Voilà. Et Dieu fera qu'on puisse avoir des séances de délivrance. Alors, il me voulait forcément à la télé. Le vendredi, je suis allé très tôt le matin. J'ai vraiment subi ceci, canal, la boule, canal, qu'on s'est subi par tout le monde. Je lui ai dit, je veux maintenant, puisque vous êtes pressé, vous voulez me voir en terre. Invitez-moi un prêtre pour vous. Alors, prêtez-moi. C'est tout ce que je veux. Mais je voilà, moi je veux un prêtre pour vous. Parce qu'il m'a dit, il dit, il y a quelqu'un qui est venu après. Celui qui est venu parler là. Ah oui, là c'est en Côte d'Ivoire. Mais si bien sur votre territoire. Nous allons le mater. Donc j'ai dit, ok, comme tu m'invites, c'est toi qui m'as appelé pour m'inviter. Moi là-bas, il faut lui dire que je suis là. Il y a un peu. Donc on a pris 2 jours. Là, mais ils sont. Et le vendredi, je ne l'ai pas vu. J'étais obligé de dire moi-même. Et il y a une là. Faux vaudou. Allez, vaudou à quai. Donc j'ai rencontré avec tous les prêtres vaudou pour les mettre en juin. Et je leur ai demandé d'organiser. Non, pour vous, que j'affronte les maîtres vaudou. Pour les évangéliser. C'est quand je vous dis ça. Amen. Parce que j'ai dit, il n'y a pas un maître vaudou. Il n'a pas tué quelqu'un. On a un ami contre. Tu ne vas pas même mettre vaudou, tu n'as pas pris de.
lancer le sort à quelqu'un. On a un peu de pain. Oh, le sorcier se le lançait le sort. Je leur ai dit, qu'est-ce que les vaudous ont apporté à l'Afrique? Non, mais vaudous, on l'a appris. C'est pas question de religion africaine. Non. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? Ils ont l'Afrique, Miami. Le vendredi, on a eu un débat. Il y a quoi? Il y a une définition. À la grande surprise, le monsieur qui baladait dans les couloirs. On lui disait, je devrais parler, il a dit, si vous voulez organiser en juin, il a fait un et puis invitez-moi. Après, il y a eu un grand féticheur. Moi, le mec dit qu'il y a un Togo. Je les invite en juin. Et là, quand j'ai un Togo, je les invite en juin devant la clésion Togo. Mais là, j'ai dit qu'il y a un Togo. Voilà, pour montrer qui est Jésus. Alors, le Jésus, là. Parce qu'il y a. Parler de Jésus. Et nous là, j'ai dit que Jésus. De quoi Jésus est capable. Bien, hier, Jésus-Christ, c'est quoi? On doit le diminuer. Amen. Il y avait quelqu'un qui avait un problème. Comment on est, oui. Oh, notre chaîne télé est beaucoup suivie. Et sur la chaîne. Et on va demander pour toi. TV2. TV2. C'est suivi beaucoup au Togo. Togo, Allemagne. TV2. Les gens m'ont reconnu. Oui, mais. Les gens m'ont reconnu. Oui, mais. Il y a un monsieur qui avait un problème. Comment quand c'est là? Il avait un problème d'hernie. Oh, quand il a mis, oui. C'est sorti, hein, c'est rempli dans. FDI, donc, c'est rempli. Et puis, on se coupe. Voilà, donc, quand il m'a vu, il m'a interpellé en même temps. On a la main. Et j'étais en train de passer, même au marché de Lomé, les gens m'ont reconnu. Les gens m'ont reconnu, il y a tellement. Il y a d'autres Ivoiriens là-bas qu'on a vu au port, de Lomé au port. Ivoiriens là-bas pour le port. Donc moi, je n'ai plus envie de sortir. Et par là, il y a lui-même dans la gamme, on m'a maîtrisé au port de Lomé. En tout cas, Lomé, il y a de Lomé. Ouais, notre affaire à ces séries, pas de problème. Donc le monsieur, il est embêté par un problème. Les hôpitaux là. J'ai dit au monsieur, non, en fait, je ne suis pas venu pour ça. Et à quoi nous dit? Laisse-moi le temps de prier pour toi après. Laisse-moi le temps que je prie pour toi après. C'est ce qu'il a fait par la grâce de Dieu. Il est venu m'écrire de voir. Je l'ai regardé. J'ai touché. Ça partit un petit. J'ai parlé. Dieu m'a dit, montre, prends de lui, verse lui. J'ai versé lui, si ça fait. Le plus grand miracle. À 20h, il a pris un taxi moto. Il est venu m'attendre. Toute sa famille était réunie. Je regarde. Ça a disparu. Un mot. Ça a disparu. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ du matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Mon Dieu. Je suis allé voir, et ma vie, je le veux, ma vie, et ma vie,
Jésus, mon Dieu, 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 mon
Thank you.
Oh, 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 oh
Thank you.
Prie, 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 prie.
La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Te délivre. 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 La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, 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 la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, elle vous délivre, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Libère. Libère-la.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus t'est guéri. Jésus t'est guéri. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te délivre. Reçois. Ton miracle. Reçois. Ton miracle. Reçois ton miracle. Le feu. Bon. Le feu. Feu. Oui, qui as-tu toi? Allez-là. Toi. Moi. Toi qui habites ce corps. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Oui, donne-moi ton nom. Mauvais esprit. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Mauvais esprit. Donne-moi ton nom. J'ai dit d'envoyer le cas ici. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Essaye. Quel est ton nom? Tu m'entends? Lâche. Bon. Va. Mais. Fais dans les mains. Quand je connais. Fais. Quand je. Fais. Quand je. Fais. Quand je. Fais. Quand je. Lâche-la. Tu vas partir. Et le blé. C'est un ordre. Et la bougie. C'est un ordre. Et la bougie. C'est un ordre. Et la bougie. Tu vas partir. Et le blé. Tu vas libérer ce corps. Et là, pour le bougie. C'est un ordre. Et la bougie. Dans le nom de Jésus. Et le blé. Maintenant même. Et le gros. Maintenant même. Et le gros. Lâche-la. Qui encore? Lâche-la. Qui encore? Lâche-la. Qui encore? Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en lever, va-t'en lever, va-t'en lever, va-t'en lever. Feu, passe-nous. Le feu sur toi. Que le robot. Feu sur toi. Que le robot. Feu sur toi. Que le robot. Le feu sur toi. Que le robot. Le feu. Passe-nous. Le feu sur toi. Que le robot. Le feu sur toi. Que le robot. Le feu. Gosse-moi. 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 Tu lâches souvent. Et Dieu est encore. Tu lâches totalement sa vie. Et Dieu est encore. Dans le nom de Jésus. Tu quittes totalement sa vie. À la puissance qui est dans le sang de Jésus. À la puissance qui est dans le sang de l'agneau. À la puissance qui est dans le sang de Jésus. Jésus, tu veux. Va-t'en. Levez. 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 Tu es venu te loger dans son sein gauche. Et il est bon moment de dire. Va. Mais. Va. Mais. Va. Mais. Va. Mais. Il te fait sortir au travers de sa bouche. Tu sors au travers de sa bouche. Tu sors. Sa bouche. Tu sors au travers de sa bouche. Tu sors au travers de sa bouche. Maintenant. 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 Sors. Maintenant. Quitte sa gorge. Ouais, plein de voix. Quitte sa gorge. Ouais, plein de voix. Sors. Putain. Allez. Mais. Quitte sa gorge. Ouais, plein de voix. Quitte. Ouais. Le feu. Gosse-moi, ouais. Le feu. Gosse-moi. 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 Allez. Allez. Libère-la. Tiens bon. Libère-la maintenant. Tiens bon. Comme je t'ai dit. Libère-la maintenant. Tiens bon. Comme je t'ai dit. Tu m'entends? Et là, oui. Lâche-la. Tiens bon. Lâche-la. Tiens bon. Lâche-la. Tiens bon. Tiens bon. La sortie. Tiens bon. Et la sortie. Et le béton. Tu vas sortir. Et le béton. Sors. Béton. Quitte. Ouais. Oui, tu as
encore dans son cou. Et quoi, dans sa mort. Et quoi, je te commande. Dans le nom de Jésus. Et allez. Et ouais. Allez. Ouais. Allez. Ouais. Allez. Ouais. Approche l'image. C'est ce que je veux. Approche l'image. C'est les jetés et tout que je veux après. Il baisse sa gorge. Dieu plaisance. Libère sa gorge. Dieu blesse. 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 Oui, libère. Dieu blesse. Pédant. Sort. Pédant. Sort. Pédant. Sort. Pédant. Sort. Pédant. Sort. Pédant. Sort. Pédant. Pousse ton cuir. Va. Garde tes mains. Va. Mais. Va. Mais. Va. On se bouge. Allez. Mais. Allez. Mais. Lâche ça. Va-t'en. Libère. 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 Libère-la. Je dis. Au nom de Jésus. Je dis. Au nom de Jésus. Je dis. Au nom de Jésus. Je dis. Rattrape le patate. Rattrape le patate. Il se corde. Regarde pour l'aimer. Il se corde. Regarde pour l'aimer. Tu m'entends? Et là nous, quitte ce cas. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Il y a un serpent qui vit en elle. C'était une araignée, un araignée poilue. Hein, qui font lancer. Lui, donc je te dis. Oh, camarade, encore. C'est-à-dire, tu ne sais pas que je te dis. Tu comprends. Que c'est une araignée poilue. Camarade, encore, là. Mystiquement. Ouais, après, ça a zomane. Et c'est monté jusqu'à notre enceinte gauche. Je, après, quand il tombe, on va nettoyer. Dans cette enceinte gauche. On va nettoyer, mais oui. Pendant que je priais, c'est venu au niveau de l'eau. Mais, au bout de hop, blesse quoi. Ah, quand tu es sorti, c'est parti. Le père, Aïda, ah ouais, Jésus t'a dit. J'ai dit, je dis.
Jésus t'a délivré. Ça va? Le diable, c'est fini, ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il vient d'échouer. Enfin. C'est fini pour lui. Désormais, c'est le règne de Jésus-Christ. Je dis, moi, je vais un peu attaquer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre Dieu? Il va quitter ce corps. Et il est maintenant même. Dans le nom de Jésus. Il va lâcher ce corps. Et maintenant. Elle avait en elle seule 60 démons. Les démons, vous
maintenant comme ça est possédé d'un esprit. Et là, vous direz, mais bon. La 40 sont partis, les gens savaient que c'est 120. Les gens vont voir ce qui est. Comment? Mon salut, c'est la moitié, n'est-ce pas? Et dans un corps, s'il y a 60 démons, il est patron de tous les démons. Moi, il doit tout. Donc elle vit avec un serpent. Le terre, lâchez. Il reste plein. Et de l'ego. Lâchez. Amen. 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 Tiens bon. Vous voyez comment il est possédé, non? Ok, tu vois, tu dis non, la fille, elle est payée la fille. Elle est payée la fille. Oh, c'est bon, elle n'est pas délivrée. On a dit, c'est bon. Vous arrivez dans le foyer là, tu frappes. Ah, c'est bon, on a dit. Parce qu'elle a animé d'un esprit, des esprits. Allez, où ils sont nés? Où ils sont? Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut, passer nécessairement par une délivrance. Mais vous l'appelez à dire, délivrer. Ça, c'est vraiment important. Et il y a maintenant où tu vois? On a le foyer où il y a tension, monsieur, madame, la vie passe en temps. Ils vont vous ouvrir, on va vous ouvrir. Elle est débrouillée. Ouais, vous pouvez. Vous voyez, elle est débrouillée. Vous voyez, ça force comme ça, dit un autre. Ah, vous voyez, elle est débrouillée. Vous voyez? Il fait comme ça. Ça va, vous. Elle n'est pas délivrée. On dit, je l'ai. Elle est constamment fait par là. Ah, vous savez, vous. Sa bouche n'est pas désarmée. Oh, mais elle est vite, là. Elle t'attaque. Il y a encore. Vous voyez le respect à l'étranger. Oh, mais tu as vu. Ils ont vu, je t'ai vu. Quand il dit, elle va être d'ici, toi. Et il va blanc, va couper. Mon béni, tu peux me faire quoi? C'est une amène, là. Le démon. C'est vrai, quand même. Tu fais ça, le démon. Mande, là. C'est pour ça qu'on a besoin d'être délivré. Tu vas, je dis. Tu peux me faire quoi? Elle est venue, là, mais. Il y a même une. Je l'aime, hein. Il me faut la faire délivrer. Et moi, mais. Je dis, bon. Amen. Si vous aimez vos femmes, vous aimez vos maris. Amen. Amen. Il y a des endroits quand tu fréquentes les démons entièrement dans ton corps. Et café avec ton mélange. Tous ceux qui sont allés chez les marabouts, les autres. C'est une manière d'aller tisser des pactes avec eux. Parce que quand les fétiches vous donnent, les talismans, les problèmes, les démons entrent immédiatement dans votre vie. Que vous voulez ou pas, vous partez avec les démons. Amen. Amen. Même lorsque vous donnez votre vie à Jésus, les démons sont là. Tant qu'ils ne sont pas effacés, ils sont constamment dans votre vie. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Après la puissance des esprits, on n'avance jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand on est délivré. Et quand tu es délivré, c'est quand tu es possédé. Et quand tu es délivré, sous une captivité. Et bien, comparons. Tu ne peux pas avancer. Et bien, comparons. Tu es dans une forme de prison. Et comparons, mais bien, comparons. C'est souvent la frustration et le manque de joie. Mais, amen. Oui, non. Adieu. En temps normal. Non, mais bien, c'est une femme, regardez la force qu'elle a. Ah, mais non, t'as dit, mais on peut bien, il est à vous, il est à temps. C'est celle-là, tu as dit, madame. Voilà, madame. Elle va te dire. Oh, non, il y a. C'est le démon, maman, ton messie. C'est qu'elle va te montrer. Ah, mais non, pas là, t'es réveillé. Vous allez faire film à la maison. Allez, ouais, c'est nous. Ouais, ouais, c'est nous. Monsieur cherche, madame, madame, j'ai la femme. Ah, ouais, c'est nous. Parce que quand tu n'es pas délivré, il sera vraiment difficile pour toi d'avoir un homme. Et là où il n'y a pas de parole, toi tu as quoi de parole? On dit pardon. J'explique l'effet de la colère. C'est un mécontentement. Mais quand on a la colère, qu'on n'arrive plus à se maîtriser, quand tu veux, il n'est même plus comprendre. Et tu veux, non, c'est pour nous. C'est qu'il y a quelque part quelque chose. Et bien, c'est pas connu. Surtout que sur ta femme. Et quand tu as la peau.
Amen. Et que tu ne veux plus comprendre. Le ordre de nous, il dit que quand tu fais, c'est ta femme. Même si elle a déconné, il y a quand même une maîtrise. Tu réfléchis. Et quand elle a goûté, il y a un autre foyer. Mais qu'on n'arrive plus à se maîtriser, c'est qu'on est sur l'influence des esprits. Où vivant et combiné. Oh, là où il y a des esprits, ne peut plus rien. La vie est contrôlée par les démons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un homme seul, une personne, seule personne. Il y a 100, 300, 400. Vous savez, la Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le cœur est l'éternité de Dieu. Et la corps, on peut la corps. C'est l'habitation, du pas temple, on dit l'habitation de l'Esprit. Où tu es venu pour et quand les démons t'arrivent, là où non, quand même. Là où la, ta vie est caractérisée par la désobéissance. Et quand on dit on ne fait pas ça, c'est si. On dit on ne fait pas ça, c'est ce qu'il fait. Mais il y a un homme, mon nom. Et là, il ne comprend pas. Et lui, il se comprend. Il ne sait pas pourquoi ça fait. Et là, il oui. Et ça te fait bizarre quand même. Et lui, il se comprend. Tu as poussé. Et là, lui, il est même comme tu es là, tu trompes ton mari. Et puis, il dit qu'il y a tout. Et tu viens à la maison. Et il chérie. Chérie. Tu savais que la chose la plus difficile. Et puis, c'est tromper son mari. Et ça va, tu vois, il vient de c'est de la sorcellerie. Et il est coupé, oui. C'est la sorcellerie. Oui, oui, oui. Comment tu peux aller le pied. Chérie, il est le manger. Et vraiment, là où il va, il va. C'est le maman. Sorcellerie. Vous calmez moi. Amen. Vous bon. Mais toi, tu es convaincu que tu l'aimes. Mais il n'a pas mais il y a une autre force qui te pousse. Mais elle va parler. Et puis nous regardons. Mais oh, quand tu habites dans ce démon là, il était bien quand il est tôt ou tard quand tu as attrapé dans un foyer. Et quand il y a l'infidélité, le monsieur vient te mettre dehors. Et il y a encore bien, encore toujours. Elle dit, pas tes pantalons, il y a un monsieur. Oh là, mon âme, il y a un corps. Amen. Parce qu'il y a des maladies partout. Et ça, vous m'écoutez pas. Vous m'écoutez pas. Amen. Amen. Les genoux et la prismatique, mais ça fait ça comme il est quoi? Oh non, ça, et you? Première fois, oh. Et you? La deuxième, la première fois, d'ailleurs. Qui est-il dans la fête? Et c'est ça le. Et nous, c'est. Ni à parler, mais. Bon, tu as dit non, et you? Ne fais plus ça prismatique. Alors, là, tu vas voir qui a poussé dans papa. Mais Dieu. Amen. Il y a un soir. Mais Dieu. Tu as une maladie, tu en vas carrément à la maison. Et bien, vous, tout le monde, tu fais toute ta famille. Le, tu as une assez au la possession. Oh, quand on est délivré, le gâteau, il y a une maîtrise. Et il verra, il casse. Amen. Amen. Quand on est possédé, quand on a une jeune femme, jolie femme. Et quand on est possédé, une fois, ok. Deuxième fois, ok. Ça va bien. La troisième fois, c'est dangereux. Ça va bien. Où est l'arrêtement? Demain, ça arrête. À mon Dieu, vous êtes. Il n'a rien du cas. On va dire que. Quand tu fais pipi, 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 pipi. On va dire que. Qui est là-bas? Vous êtes là-bas à la maison. Oh, quand on se trouve, il n'y a pas des femmes, mais. Non, c'est dangereux. Il est là, là, il nous. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a un démon en toi. Et vous avez des femmes. Oh, suite à ce démon-là, il sera difficile pour et toi. Et mon ami. D'avoir un foyer. Le cas qu'on dit. Amen. C'est vous. Parce qu'on ne se marie pas pour être infidèle. Le mari, il est sacré. Quand tu prends une femme, quand tu prends une femme, c'est fini. Et vous êtes. Pour rentrer dans quelque chose de très sérieux, ça. Ah, nous, mais tu as vu. Tu commences à rompre ça. Ah, nous, mais nous, tu as vu. En commentant l'infidélité. Mais, et il envoie des démons dans la famille. Tellement la maison, tu es causé. Il envoie des démons à la maison. Tellement la maison, le jour. Il est même faux. Ou elle. Elle vous. A désobéi. On vient d'avoir un jour. C'est fini, elle a perdu son autorité. On vient d'avoir un jour pour nous. L'homme aussi a perdu son autorité. Comment on parle un gros boulot. C'est pour cela que je vous encourage. Mais vous êtes fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité. Il y a des femmes, elles veulent franchement. Oh, de, si c'est, elle dit, mais c'est pas trop, c'est plus grave. Ah bon, bon, elle n'est pas encore, mais sautez, quand vous sautez, j'ai diminué avec qui. Elle m'a dit que je sautez en cas. Comme je disais, je sais que tu es venu me voir, elle dit, elle a trois. Mais comment, encore une fois, elle a tabouré.
Mon devoir est de choisir. Et dis moi-même, ça me choque. Alléluia. Amen. C'est dangereux. Et nous, vous l'avez. Ça veut dire qu'on est possédé. Et ben, on est possédé. Il y a des gens qui sont présents sur ce problème de, d'amour d'argent. Quelqu'un pleure. Il a pleuré. Au nom de Dieu. Puis c'est la honte coupée, capitale. On a commencé à gérer au nom de Dieu. Génie. Et nous, c'est que vous comprenez, les gars. La manière capitale. C'est ce qu'on appelle la cupidité. Bien sûr. Or, la cupidité. Là, il est. L'argent, Dieu compense à l'idolâtrie. Et vous avez après, moi, je ne donne pas trop d'importance à l'argent. Mais j'aime l'argent. Parce que l'argent aide beaucoup. Et je sais que tu n'aimes pas, tu vas pas chercher. Comment on va mais je ne donne pas d'importance à l'argent. Mais l'argent n'a pas d'impact si moi. L'argent ne ça ne fait rien. Ah moi c'est. Amen. Ah, oh, si tu as l'argent, mais quand tu n'es pas habillé ta femme, ne t'éloigne pas. Parce qu'il y a des gens comme ça. En ça, quoi, ils n'ont jamais fait cadeau à leur femme. Oh non, on ne pas vous. C'est de la sorcellerie. Vous avez le nom. Les gens comme ça, ils dépensent beaucoup dehors. Le tour maintenant là où. Elle sait qu'elle est dehors là. Elle sait que. Avant pour toi, elle est une voleuse. Oh, ben, allez, on en est bon. Aux hommes, moi, Dagina. Maintenant, avec la Dagina, poisson, moi, ici. Il y a quand même conseillé. Aux hommes, il y a quand même sec. On est quand même conseillé. Avec le piment. Mais sec et viol. Là, on peut tourner. C'est une façon la braise. Moi, les gens, c'est l'île, on a un seul conseillé. C'est plus bien la braise. Il y a un seul conseillé, on a un peu de l'île. Tu dépenses. Et quand tu viens aux oies, la peau. Les hommes, on a un terrain. Tu dis que tu n'as rien. Mais moi, que j'ai un lycée. Qu'est-ce que tu envoies à la maison? Il est là, mais c'est le là. Mais tu dis non, mon failli, qu'est-ce que tu envoies à la maison? Mais c'est lui qui est là, mais là. Amen. Oui. Tu travailles, c'est pour ton failli. Et non, mais là, quand la nuit, il faut mettre la maison dehors. Et nous, vous plaignez parce que les démons vous attaquent. Mon failli a des problèmes, c'est toi qui envoies les démons. Mon failli, non, mais il est. Démon, Dieu est venu sur toi tout à l'heure. Laisse-moi parler. Non, pas c'est pas bien, mais il y a beaucoup de terre. Amen. Amen. Tu prends l'argent. Et bien, c'est quoi? Et la pauvre femme. Les mots, on vient de dire quoi? Tu mens. Et toi, tu une petite éthérée, une petite dangereuse. Une petite éthérée, une petite sorcière dangereuse. C'est là que tu dépenses. Mon connaît, t'as dit à nous. Sorcier. Ou camionnant. Tu viens à la maison, je n'ai rien. Et c'est dans les mais la petite, c'est qu'elle te montre. Mais vous dites pas mon. Tu trembles. Tu as une unité, la petite. C'est une unité. Une unité, 5 000. Ben, fais. Aux oies, tu fais 200 francs. Aux oies, il n'y a pas de bon goût de rien. 200 francs. Tu dis, mais tu as payé qui? La maman, quand tu vis là, elle est là, quoi. Alors, quand tu vis là, bon goût de rien. C'est à aux oies, tu avais 200 et 8. Pour le bon goût de rien, bon goût de rien. Ok, des pis. Non, pas le pis de vous. Amen. Et la petite, ça a été avec 5 000. Mais c'est une erreur. Ça, on soit, on doit donner 5 000. Il perd les urgences, c'est plus ta place. Quand tu donnes 5 000 francs à la petite, la petite, c'est plus ta place. Elle m'a payé ses petites gueules. C'est comme ça. Et vous investissez dans des conneries. Vous mettez de l'argent dans la merde. Vous courez après mais les hommes des vraiment les démons, les sorciers m'attardent. Les sorciers m'attardent. Les sorciers gâtent mon argent. Et si tu fais Dieu? Tu prends l'argent, tu vas avoir 20. Tu viens la petite. Vous voulez la presse. Amour, allez, dis-moi. Poisson braisé. C'est la pauvre femme, elle m'a insecte. On est gagné pour ça. La pauvre. La mère de tes enfants en plus. Qu'est-ce que tu recherches? Il est mal là. C'est de la malédiction. C'est la malédiction. Parce que la femme. Mais moi, je n'ai pas, elle n'est plus heureuse. C'est ce qu'il dit aux gens. Oh, bien, si vous n'entretenez pas le lien du mariage, ah, ça bien, 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 bien. Que vous créez un problème d'infidélité, bien, 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 ça va se cacher. Et il me dit,
Ça va cicatriser. Parce que c'est une alliance informelle que vous tissez les filles. Et là, il y a je t'aime, hein. Et moi. Ça, on ne dit pas ça à n'importe qui. Moi, c'est comme et moi. Ok, ok. Il y a une manière de dire ça. Et ta prof, il y a un nom. C'est elle, elle, tu dois dire chérie. Moi, je dis ça là. Surtout chérie, je t'aime là. Et moi, je t'aime. Pourquoi ça, mais il y a un nom, il y a ça. Alléluia. Amen. Non. C'est elle seule qui doit entendre ça. Moi, qui aime là, nous-mêmes, vous écrivez. Alléluia. Parce que tu as fait un choix. Or, quand tu as choisi, il faut entretenir la femme. Et la c'est qui tu vois dehors là. Il est la femme. Il faut l'entretenir. Sinon, même si tu la laisses, et que tu vas faire autre chose dehors, et que tu envoies à la maison, c'est ce qu'on envoie les démons. Amen. Amen. Est-ce que ma bien saisi? Amen. Et ça va cacher vos foyers. L'État en a côté Ruby. Vous avez dit que tu as pris ta femme avec ta femme. Et il y a un élément à l'île. Tu as pris la même la paix avec ta femme. Ouais, mais il y a un seul. Parce qu'avec cette dernière, elle m'a envoyé un message. Demain, il y a un nom. Allez, il y a un petit peu. Prends, prends, prends. Eh, content. Une fois, ça a tiré la femme. Deuxième fois. Là, elle nous a dit cela. La troisième fois, quand on a passé à ce moment-là. Pourquoi elle m'a dit qu'il y a quelque chose. Ah, oui, mais on prend. Tu ne vois pas là. Oui, on prend, mais c'est ça. Amen. Amen. Et ça va troubler beaucoup. Or, dans un foyer, c'est la confiance. Oh, s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de confiance. Et les gens ne savent pas. Amen. Amen. Quand on avait quelqu'un, une femme, quand on a décidé de vivre avec une femme, il y a des choses qu'on doit laisser. Amen. Parce que le mariage, c'est sacré. Or, la cible du diable, c'est le mariage. Est-ce qu'on m'a bien saisi? À nous. Est-ce qu'on m'a bien très bien saisi? À nous. On m'a bien saisi? À nous. Pour rentrer dans un foyer, il faut forcément passer par la délivrance. Et après, dit, les gens veulent se marier. Quoi, Wakandini? Ils ne sont pas délivrés. Lundi, parce que ça va être poursuivi dans le mariage. Mais dis le meilleur, il est mini. C'est qui tu mènes là? Vive pour même quoi? Il dit pas non, non, quand je suis le mari, il a arrêté. Non. Avant qu'on dit, il dit, il dit, quand ça va être poursuivi dans le foyer. Et galop. Tu n'es pas délivré, ça va te pousser. Et dites-le, et galop. Amen. C'est important d'entretenir sa bonne relation. Il est maintenant là où il y a la fidélité et tout ça, c'est bon. Il est maintenant où toi? On dit amen. Amen. Pourquoi? Parce que la fille, elle est possédée, c'est quoi? Oui, on t'a le où tu veux y aller. Elle a des démons. On t'a le moment. Et tu vas l'embrasser. Les gens, tu veux le moment. Qu'est-ce que tu prends? Il veut pas. Les démons viennent à l'arrière. Le feu vient l'embrasser là. Et tu veux le moment. Les démons, tu veux lui. Maintenant, si elle a la force sexuelle. Et là, ailleurs, elle est. Oh, ça c'est fini. Et bien. Si elle a les démons. Il rentre. Voilà, putain, t'es oublié. Donc, imagine-toi. Bon, coup, oublié. Si tu as eu des rapports comme ça, avec les filles possédées. Les gens, il y en a la tête. C'est vous. Ça va gâcher toute ta vie. Ça va gâcher toute ta vie. Ça va gâcher toute ta vie. Si toi aussi, tu as eu des rapports avec des hommes possédés. Les gens, bon, moi, là. Oui, c'est vrai qu'il y a un entretien. Il n'est pas délivré. Il est là. Tu sais pas qui il est. Et il dit ça, il a un bon esprit en lui. Et il dit où vous pour lui. Et je suis là, tu veux. Et on va le amen. Amen. Que Dieu nous aide. Non, frère, il nous. Bah, moi, c'est nous qui allons chercher les démons. Alléluia. Amen. Alors qu'on n'est pas délivré, c'est dangereux. Le dit, il y a des idées. Je conseille aux gens dans les mois de fiançailles. Le Seigneur, on va voir dans la commencer à étudier la femme. Et la bataille qu'on a encore, il veut quand il y a mort sur vous. Quand vous avez des histoires. Mais ça peut arriver. Amen. Amen. Est-ce que ma vie s'agit? Amen. On peut même faire la, on peut prendre la sorcellerie au travers des rapports sexuels. Oui, et nous, on va bien faire. Et dans hier, la mort d'ailleurs, mais où je veux dire? On est des mots avec des rapports sexuels. Et nous, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que nous, c'est un homme, le coup de boue. Alléluia. Donc, il faut faire très attention. Les démons sont partout. Démons, si tu as chargé une femme, tu as décidé de vivre avec elle. Il va régner en Togo sans la fidélité. Amen. On dit plus amen, hein. Amen. Le message, ça ne nous arrange pas. Parce que amen, c'est fini. Amen, amen est bloqué. Et c'est amen. MN, là, c'est en bas.
Ah, ma parole est bien. Ah, mais on ne peut pas dire amen. Non, je dis, si on est marié, ah, quand il y a des choses qu'on doit laisser. Et quand vous aimez, vous allez aller au côté. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit carrément laisser. Non, mais si on va laisser au nom, ça va détruire ton foyer. Et c'est quand il est en même temps. Mais tu vas détruire ton foyer. Et n'est-ce pas? Il brise carrément le foyer. Et ça, où? Ah, toi, tu n'es pas connu ça, ça ne dit rien. Et non, frère, c'est le démon, tu as marqué. Mais c'est vraiment le soleil. C'est les esprits, tu vois. Où qui met le pays? Les esprits. Où qui? Or, quand les esprits viennent, oui, vous savez que les démons, on les appelle les démolisseurs, ceux qui gâtent. Ouais, t'es où, t'es où? Amen. Or, tu connais pas le monsieur, tu connais pas son esprit. Il peut être un mystique, un sorcier, juste pour détecter ton étoile. Et quand il est rapport avec toi, c'est ce qu'il récupère. Oh non, quand il a juste chassé pour lui. C'est pour ça que les gens couchent avec les garçons, les homosexuels. Mais bon, parce que c'est bon. Là, vous dites que le pouvoir, il prend ça au travers de l'homme. Quand ils couchent avec l'homme, c'est pour ça que vous avez remarqué que tous les homosexuels finissent mal. Et c'est une pratique que je condamne gravement. C'est contre nature. Et quand on fait ça, on s'oppose à Dieu. Et tous ceux qui ont pratiqué ça doivent se répandir. Et tous ceux qui sont dedans doivent chercher à se répandir. Parce que c'est à cause de ça Dieu a détruit ce genre de mort. Comment tu as un goût? Les gens vont coucher. Et là, les gens ne laissent pas la langue. Il ne faut pas l'envier. Non. Il ne faut pas envier ça. Il y a une grosse voiture. Vous ne connaissez pas le secret de son pouvoir. On me contait tout récemment à Lomé, un monsieur nigérien Nibo. Il a l'argent, il a poursuivi partout. Mais lui, c'est que c'est passé en Côte d'Ivoire. Il enlève les filles. Il prend le sang des filles. C'est pas de l'argent. Il a été épinglé tout récemment. Il a envoyé le don. Vous voyez les gens, vous les enviez dans les grosses voitures. Vous connaissez la religion. Mais ils ont là-bas, ils ont là-bas. Vous les filles, avec votre histoire de voiture. Ah, moi, là, où est le temps, vous voyez, non. Vous voyez une voiture, mais. Vous arrêtez. Ah, oui, hein, vous. Madame, s'il vous plaît, tu souris à la main, c'est dans la voiture. Et si, maintenant, ton vie est bon. Tu sais pas qui il est. Et c'est un lui. Son argent, comment il a eu ça? Oh, t'as entendu, on m'a dit. Les gens, même le fait même de donner, les gens sont mystiques. Ah, non. Le fait même de donner de l'argent, il a changé ton âme. Oh non, t'as dit, on a encore un problème. Amen. Amen. Il a changé ton âme. Non, pas un problème. Vous faites très attention. Ah, il a eu qu'à ça. Les éléments, il est parti. Il est parti. La terre est la main. Hein? Oh bien. Il est parti. Oh bien. Hein? Oh bien. Et il allait où? Yo bien là. Il allait où? Yo bien. Non, le démon est là. Oh quoi, allez. Ça va? Comment t'appelles? Tu viens d'où? Viens de ça va? Je vais venir. On a TV pour nous. Je vais juste quand il reste là-bas. On est go. Il faut que tu vis avec un puissant démon. Les TV n'y ont pas vu. J'étais comme un saint serpent. Un dragon. Dans ta vie. Dragon. Sa vie. Qui a encore été? La puissance de l'homme.
dire que je vais 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 dire Elle sera, elle va jeûner, d'accord? Ok, c'est dit qu'en elle va jeûner. La semaine qui suit, elle va jeûner. Mais il y a un gars, c'est dit qu'en parce qu'on aura une veille encore d'entrée. En cas de veille, on va pousser sa délivrance. En cas de veille, il y a un gars, mais. Va t'asseoir. Mais que c'est bon, oui. Amen. Lundi jusqu'à vendredi. Je veux parler de la fidélité de Dieu. C'est important d'être fidèle. Amen. Et le mal, là, c'est important parce que ça nous profite nous-mêmes. Mais il y a une vie. Alléluia. Amen. Ouais, parce que si tu n'es pas fidèle, c'est les démons que tu envoies dans ta vie. Tu as oui. S'il faut que tu parles de fille en fille, de fille et en après, fille. Et après, le corps à corps. C'est les démons que vous accumulez dans le corps. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut, avant d'avoir une relation, il faut être convaincu que la personne est délivrée. Mais vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que les gens sont les sorciers. Avant, vous ne savez pas. Vous avez une relation avec cette personne. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, c'est de prendre vos grâces. On est là. C'est de prendre ça. Et la personne, puisque la personne sait que tu as une chance, la personne va te poursuivre, te proposer de l'argent, l'argent que tu n'as jamais touché, juste pour mettre quelque chose en toi. Et quand la personne récupère, tu vas voir que la personne, son amour, va commencer à refroidir. Pour rien. L'amour est refroidi parce que oui, c'est qu'elle voulait la récupérer. Et tu vas voir que toi-même va commencer à chuter. Et va commencer à se dégrader. Les difficultés. C'est parce que quelqu'un venait chuter quelque chose. Mais comment il a bien amen. Amen. Faites très attention. Ah, il va y casser. Non, comme j'ai envie de me marier, puis vous prenez tout. On a pas dit, on dit. Achète avant. Vous voyez quelqu'un, vous appelle madame, demoiselle. S'il vous plaît. Et vous? Quel est votre nom? Vous êtes blessé. Parce que le méchant voiture. Amen. Vous ne concernez pas la source de sa richesse. Il n'y a plus, on est bloqué. Mais il y a un moyen d'avoir commis. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours demander au Seigneur sa volonté. Mais il y a la canoë. Ne cherchez pas à faire ce que vous voulez. La bande à mieux, mais d'accord, à mieux. C'est toujours dit aux gens. Et le point là-bas. Cherchez ceux qu'on a craint de Dieu. Avant de faire quelque chose de très dangereux, il va penser. Alors vous donnez, on est bien. Réfléchir à Dieu. On a beaucoup bien. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, ce qui va te. Maman, ça la connaît. Oh, il y avait un pas. Alléluia. Amen. Une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. Moi, mon soeur, la cadeau. Toi, tu voyages, tu prends l'avion, tu t'en vas. Et bien, viens, viens, viens. C'est qu'elle va montrer derrière. Mais mon pauvre, tu n'as pas là. Oh, quand tu prends une femme. Les cadeaux, frère. Et un homme. Où est-ce ton mari n'est pas là. Et tu es bon. Et tu viens coucher avec. Et la peau. Dans le lit. Où est-ce que tu es bon. Tu as suivi le lit. Et tu es bon. Non, et tu es où. Le mari est gâté. Ah, ni de où est-ce que tu es. Tu as dit, spirituellement, c'est gâté. Où combien était-ce? Oh, là où tu te couches. Oh, mon pauvre. C'est là où repose ton âme. Il est d'accord. Ça n'a pas dit intime. Je pense que ce n'est pas n'importe qui doit rentrer dans vos chambres. Il est d'accord. Ne pas comme il est. Vous couvrez. Et les gens. Ne maîtrisez pas une personne, ne l'amenez pas dans votre chambre. D'accord, vous couvrez pour. Parce qu'on peut détruire votre chambre. Mais regardez où vous êtes là. Oh, dans votre chambre, elle est fréquente pour vous avoir. J'explique un peu là. Et c'est ce qu'on vient. C'est ce que je suis allé détruire au Togo. Même la famille, les gens sont très riches. L'autre est pharmacien, un qui est chef de cabine d'avion, Air Canada, un autre est aux États-Unis. En fait, les gens sont aisés.
Parce que j'avais un papa qui était ministre. Mais du coup, ils ont tous les mêmes problèmes. Ils ont l'argent, 7. Ils ont tous les mêmes problèmes. Amen. Or, j'ai détecté qu'il y avait une présence dans la sorcellerie. Et quand les gens veulent exceller dans une demeure de bénédiction, j'explique. Vous savez, s'il n'y a pas l'antenne de Orange, moi je suis sur le réseau Orange. Amen pour Orange pour. Il sera difficile d'avoir le réseau ici, ce là. Non, et le cas, mais là. C'est pas ça? Ok. Amen. Quand tu as Orange, moi je suis sur le réseau Orange, je suis parti au Togo. Immédiatement, vous pouvez me joindre parce que ça fait un roaming. Ouais, la meilleure. Il y a une autre chaîne, il y a une autre. Téléphonique. Ouais, quand il y a un Togo-Sel. Ouais, Togo-Sel. Qui prend la relève. Même il y a rien comme ça. Je vais expliquer ça en plus. Il y a un Togo-Sel. Qui prend la relève. Donc, même il y a un Togo-Sel. Ce qu'on appelle roaming. Ouais, roaming. C'est vrai que ça devient cher. Et le prophète de Joël étant à Lomé. Il y a des gens qui arrivent à voir quand il est à Lomé. Envoyez à Lomé. Or, la sorcellerie. Oh, Togo-Sel. C'est une science. Il est. Une science occulte. Amen. Amen. Alors si quelqu'un veut t'avoir, à partir de l'Europe, et la personne n'est pas de ta famille, la personne se rend immédiatement, cherche à avoir des informations en allant dans ton village. Quand la personne rentre dans la famille, la personne capte les fréquences. Il y a beaucoup de chaînes. Il y a la chaîne 1, la radio nationale. La fréquence de radio. Chaque radio a une fréquence. Pour capter la fréquence. Ceci est une recherche. En captant ta fréquence. La fréquence. On a les informations. Si tu as une information sur toi, il te localise. Une fois localisé, on peut te faire tout ça. Mais avec ses pratiques ici, les incantations, il localise le village. Et à partir du village, il a accès à ton âme. Il puis te détruit. Pour voyager, il n'a pas le temps. Il est à une minute, il peut quitter d'ici, pour faire Paris. Vous comprenez? Quand tu n'es pas délivré, quand ton village, c'est ce que les gens appellent les hôtels sataniques, on appelle ça des fréquences. Amen. C'est comme vous êtes dans une maison, il y a le wifi dans la maison. Vous ne voyez pas. Mais le portable signale qu'il y a le wifi. C'est le portable qui détecte ça. Mais c'est sinon, vous ne pouvez pas le détecter. C'est comme ça, les sorciers, ils ont ça en eux. La détection de certaines choses, ils ont ça en eux. Ils détectent. Or, s'ils savent que demain, tu serais un homme très riche, ou une femme puissante, lui, il prend ça. L'autre dit non, j'ai commencé mon commerce, j'étais une puissante femme. Tu as eu une relation. Mais c'est pas bien. Tu savais pas? Oui. Quel sorcier qui est passé dans ta vie? Qui t'a chupé ça? Vous savez, la Bible dit dans Jean le chapitre 10. Le verset 10. Si le voleur ne vient tout voler. Avant le riz, voyez que le père était égorgé. Le diable, c'est un chupeur. Amen. Les gens, longueur de journée, se déshabillent toujours. Ah ouais, il est bon pour me comme ça. Il chante des phares. Ok, il me dit même pour la tête que je t'arrive. Et c'est très dangereux. Il sait pas qu'elle est. Et lui, non, pour
L'apparence. C'est l'intérêt qui est plus important. Mais c'est ce qui l'intérêt qui fait l'homme. Une fois en contact avec elle, c'est fini, ça garde tout. Et c'est dangereux. La Bible dit quoi? D'être prudent. La Bible nous conseille la prudence. Amen. Amen. Alléluia. La Bible, soyez prudent comme les serpents. Amen. Soyez prudent comme les serpents. Et c'est important. Pour ça, je n'aimerais pas tout le monde chez moi. Je ne suis pas méchant. Mais le travail que j'ai fait, ça m'a ouvert les yeux. Amen. Ça m'a ouvert trop les yeux. Oh, la stratégie du diable, c'est de nous endormir. Nous faire croire que ça n'existe pas. Je devais partir sur Lomé. Et puis la RTI m'a appelé. J'ai une émission ce midi. Je vais l'inviter de ce midi. Donc je suis parti, je n'ai pas le temps de raconter. Donc quand je suis venu, ils m'ont appelé hier dans le bureau. On a fait un entretien avec eux. Donc ce mardi là, à partir de midi, je suis l'invité de la télévision. Ce midi, je suis leur invité. Pour parler de la sorcellerie. Donc, au fait, tout le monde m'a écouté avec passion. Mais il y a un d'entre eux qui a commencé à ne pas croire à la sorcellerie. J'ai fait une petite démonstration. J'ai dit que vous ne croyez pas à la sorcellerie. Elle existe. Vous ne croyez pas à la sorcellerie. Elle existe. Elle s'en fait de votre croyance. Les blancs qui disent aujourd'hui qu'on croit que ça n'existe pas. Les premiers. Quand ça n'existe pas dans leur réalité, ils nous font croire que ça n'existe pas. Les blancs ont combattu la sorcellerie. Le 15-16, 17e siècle. Où s'est sorti l'expression la chasse aux sorcières? Les blancs, ils prenaient les sorciers, les brûlaient au bûcher. Et j'ai raconté mon histoire, monsieur. Moi, j'étais comme toi, je ne croyais pas. La sorcellerie a commencé à dissimuler ma famille. Mon frère, ma soeur, et moi, sur une méprane. J'étais en train de faire la récite, me briser et manger. Et puis Jésus m'a délivré. Et celui qui était juste à côté, ils l'ont pris. Il a dit qu'il m'a délivré. Tu vas voir mes vidéos sur le YouTube. Tu vas me rejoindre pour combattre la sorcellerie. Je dis, et cette nuit, vous n'imaginez pas les dégâts que commet les sorciers. Pendant qu'ils sont de vous parler, les gens que les sorciers sont en train de tuer. Oh, les mots ont un sens. Quand on parle d'église spirituelle, mais ça existe, ils ont trouvé la volonté spirituelle. Les gens ont un pouvoir en eux. Et justement, de te regarder, ils te détruisent. Amen. C'est ça que je vous conseille aujourd'hui. Si vous descendez dans un village, et vous êtes dans un pays, dès que vous descendez dans le pays, prenez la terre. Cherchez la terre. Or, la Bible dit. Là où tu couleras le pied du corps à l'héritage. Vous cherchez la terre.
Vous commencez à parler. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est un acte prophétique. La tête que vous voyez à des oreilles. Tout le monde c'est cette tête là qui fabrique l'homme. Vous prenez la terre, vous parlez à la terre pour dire je suis en possession de mon héritage. Amen. Parce que cette terre appartient à mon Père et Dieu. Même tout ce que les gens feront ici dans ce pays, que cela échoue dans le nom de Dieu. Que je sors dessus d'eux. C'est fini. Eh bien, vous allez boucler. Et bien, tout ce que les gens feront, ça va partir par la terre. Et vous allez voir que les féticheurs vont commencer à faire des libations. Ils vont verser sur la terre. Oh, tu as déjà parlé à la terre. Donc tout ce qu'ils feront, c'est fini. Amen. Ça sera bien réalisé. Ainsi, ils feront rien sur la terre. Oh, Dieu parle à Israël pour dire je plante des mots sur la terre. Je plante des mots sur le ciel et la terre. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. 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 Quand tu as un bureau, quand tu as un service, tu as une fonction. Et pas le menu. Comment fonction comme ça? Tout est spirituel. Et pourquoi le président de la République? Avant le président. Il ne s'est pas pris, on m'a élu, par Dieu. Je suis président de la République. Je m'en fiche, je reste. Non. Il y a toute une cérémonie d'abord. Avant de prendre. Il y a même l'organisation du président de la des États-Unis. C'est le peuple qui l'a élu. Commencez à travailler. Il y a un aspect sacré. Que l'ordination est prête, c'est bon. Il commence. Le dico. On dit amen. Oh, j'ai vu ça devant, j'ai vu ça pour le premier ministre israélien. Il a dit tout récemment. Bon, il a dit ça va pas trois jours. Il a dit amen. Il allait devant le mur de lamentation. Oh, pour la dico. Et quand il a parlé, il a confié son règne à Dieu. Vous comprenez un commerce. Vous n'associez pas Dieu. Ça vous intéresse même pas. Vous avez une voiture. Ça vous intéresse même pas de consommer ça. Vous oubliez ce côté le plus important de tout. Oh, quand Dieu associe l'affaire, il bénit l'affaire. Amen. Les gens, c'est quand ça échoue. Venez, vous allez consacrer ma boutique. Venez, vous allez consacrer ma maison. Et toujours, il y a quelqu'un que vous prenez une maison. Celui qui a construit la maison, vous ne savez pas dans quel esprit il a construit la maison. Vous ne savez pas les pratiques d'ici de la fête. Allez, celui qui vient de sortir de la maison, il peut laisser des esprits. On est où, il peut errer dans la maison. On est où, il faut l'interroger. Et là, c'est là où vous sinon, tu vas avoir le même problème comme celui qui vient de passer. Là, c'est les gens qui ont fait des problèmes dans d'autres quartiers. Mais quand ils déménagent, ils prennent une maison. Oh, quand même. Il y a toute une série de problèmes. Il y a où il y a pas où c'est les oh, il y a des démons dans chaque quartier. Laissez le quand vous venez dans un quartier, vous commencez à parler au quartier. Parlez. Vous dites, je suis un élu. Je suis un prince. Oh, tous les problèmes là. Et là, c'est les épidémie. De Paul, ça doit pas être ma maison. Alléluia. Dieu va mettre une différence entre nous et les païens. Les païens doivent. Non, ils doivent une différence. Et là, vous avez aimé. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. On m'a très bien saisi. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez beaucoup prier pour vos enfants. Et là, vous avez parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie, même dans nos écoles. Et vous avez une fille pour laquelle j'ai prié. Elle a eu la sorcellerie à l'école. C'est la fille de la fille. Je ne dis pas son nom, mais par. Mais c'est à l'école. Il y a un jeune homme qui a dit donne-moi ton père. Elle a refusé le bonjour dans ma vie. Et puis il a eu un esprit en elle. C'est comme des mouches. Elle est là, puis et l'esprit parle. Et c'est ce que l'esprit dit. Elle exécute. Non, pas ce que les parents disent. On peut même donner la sorcellerie aux enfants à travers la nourriture. Oh, si vous apprenez aux enfants à prier, avant de manger, c'est fini.
Eh bien, ça neutralise le pouvoir. Et sur ça, il faut qu'on s'en va prier les enfants. Est-ce qu'on va bien saisir? Il faut prier avec eux. C'est ça le problème de nous, les Africains. Nous négligeons tous les enfants. Nous les confions à bon Dieu. Ah, c'est Dieu qui va faire ça. Donc la responsabilité de l'homme. Et nous, donc, on n'est pas dans nous la de s'occuper de nos enfants. Il a grandi à l'humain. Et de les éduquer. Il n'y a pas la manque. Amen. Les éduquer. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Initier l'enfant, c'est très facile. Et quand il va pas nous arrêter. Et ce qui est dangereux. Même à les aveux, même à l'école, les enfants tuent. J'ai tué mon voisin d'école, j'ai tué mon salle. Oh, il est mort, le sujet est tellement. Le sujet est tellement sérieux que. J'ai dit aux gens, plus vous parlez moins de la sorcellerie, plus vous donnez aux sorciers la possibilité de tuer les gens. Depuis on me dit, mais oui, moi je lis le droit de l'homme. Avec mon père. Parce que le sorcier détruit, c'est un délinquant. Il peut détruire ton foyer. Il peut chiper ton argent, c'est un délinquant. Il est encore criminel, c'est un délinquant. Et tu, parce que tu te lèves matin, tu cherches, mais quand même pas son temps. Il est encore criminel. Lui cherche là pour manger. Il voit abouti, il sort grève. Vous avez vu l'argent tout à l'heure. Ah, t'as où, j'ai mangé, j'ai mangé. Sauce arachide. J'ai mangé. Vous comprenez qu'une mère. Quand il a les yeux de sa fille. J'étais allumé quand j'ai regardé la vidéo. Et ben, le ça me choquait encore, il choquait. Et quand ma mère est je suis choqué, Non, la mère quand même est la mère qui doit te protéger. Non, mais je dis bien ça. Celle qui vend tes yeux. Moi, je suis et j'ai enlevé les yeux là. Yves, on ne peut plus redonner ça. Oh, ouais, je vais te dire. Quand son chien a mangé sa sauce garagée. Oh, quand même, c'est fini. Eh bien. Vous comprenez? Allez, c'est bon. Tu sais, quand vos parents sont des sorciers. Nous, allons en parlant de la carrière. Allons, il va garder. Un sorcier dans une famille est un danger. Pourquoi? Allez. Moi, le problème de la sorcellerie, je pense que c'est tellement sérieux pour moi. Et bien, quand on est. Quand quelqu'un joue et ça. Je le vois immédiatement comme un sorcier. Et il y a une bonne. Vous savez, l'être humain, quand alors, il est sacré. Oh, ok. Oh, c'est ça. C'est le diable détruit ce qui est sacré. Il a deux temps, c'est ce qu'il a fait dans le jardin. Viens le jardin. Je lui ai dit, on ne fait pas. C'est ce que j'allais détruire. Oh, la c'est ce qu'il a fait. Le vivant de nous. L'être humain, c'est l'être chouchou de Dieu. Oh, combien de femmes que les sorciers ont détruites par l'esprit de célibat? Combien de femmes que les sorciers ont détruites en donnant l'esprit de la stérilité? Amen. Je dis merci à la RTI. Ils ont aidé nous. Ils m'invitent de temps en temps. Parler du sujet de la sorcellerie. Il n'est pas pour vous. Ah, c'est très difficile. Ok. Maintenant, il me donne la possibilité d'en parler. C'est pas même qui n'a pas vu. Merci pour la RTI. RTI va quand même. Ce midi, je serai sur le champ de la tournée. Et pareil, c'est beau. Là, il y a un sujet grave. Et quand pas. Grave et grave. Non, là, oui, que ce que tu là. Parce que ça existe. Il n'y a pas une force pour les maîtriser. Il n'y a pas une force pour les inquiéter. Alors, là où ils ne sont pas inquiétés, là, c'est un carnage. Demandez dans ce village. Tout le monde en carême forcé. Il n'y a pas sorti d'aller manger quelqu'un. On est pour ah, vous me dites, vous savez ça. Chaque jour, il y a un funérail. Funérail chaque semaine. C'est plus de 10 morts ici. On faisait sauce arachide, sauce pistache, sauce tchétchera, sauce graine, sauce jimbe, sauce feuille. Là, on a mis la depuis un certain temps, c'est fini. Vous savez,
là où c'est combattu. Les crimes, la criminalité spirituelle s'arrête. Vous allez voir que ça s'arrête dans l'enfant naturel. Et c'est vraiment ceux qui meurent dans ce village, sont des milliards. C'est faux ce qu'il dit. Amen. Vrai ou faux? Vous combattez sur ce. Oui, il faut être combattant parce que. Toi, tu joues matin, tu vas manger, et il cherche à manger, il mange l'or. Au moins, les corps. Même mon égard, c'est des livres, voilà, la cacouille. Alléluia. Moi, comment aller? Et tu vas lui demander, dis-nous, je ne sais pas. Alors, n'est-ce pas? C'est la partie, mais qui t'énerve. Je ne sais pas, mais c'est la sorcellerie en moi, là. C'est la sorcellerie qui est faite, là. Vous ne pouvez pas, mais non, non. D'autres sorcelleries, on ne dit pas, il dit non, on ne dit pas non. C'est pas moi. Il y a un, alors, un. Un péché possédé, maman possédée. Non, t'es où? Ce n'est pas délivré. T'es où? Va t'es où? Va t'es dit, je t'ai dit. Tu vas voir la famille avancer. Ouais, pareil, je vais vous. Amen. Que Dieu nous aide. D'accord, vous avez un. Quels sont ceux qui sont sorciers? Ah, là. Ici, nous les délivrons. Attendez. Nous ne sommes pas comme les autres qui les tuent. Allez là, non, attends. Ils peuvent prendre ma chair pour tuer un sorcier. Oh, bien là, vous c'est un crime. Crime, un. Ici, nous les délivrons. Attendez. Pour qu'ils soient utiles à leur famille. Non, au cas où il n'y a pas de nous. Et puis la nation ivoirienne. C'est au cas où il n'y a pas de nous. On dit amen. Amen. Ceux qui sont sorciers. On l'a voyé pour camion. On n'a pas béni. Oui. On y a oui là. On ne touche personne. Ouais, mais il manque quand même que vous là. On a comme nous dit. Tirinaï. Au camion, on a filé. La bonne Tirina, veille. Tirina, veille. Au camion, on a filé. La bonne Tirina, veille. Tirina, veille. Il est là, 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 il est là